Michel François Jacques, and welcome to our first Compa Dance Party Plus. And this is my partner for this evening, Olga Ken. And of course, with us tonight is Professor Ramphis Kumar with his lovely wife, Jenny, and our professional dancer, all the way from Haiti. Ose Jean-Louis with his, of course, lovely wife, Mia. Tonight I have the privilege to have, all the way from Martinique, the founder of Skasha No. 1 of Haiti, is Mr. Apollon, Arsène Apollon. He is right now in Miami Airport from Martinique, and hopefully he will be there on time. But if we have to stay a little bit longer with you tonight, we will. Because we are kind of late for this. I thought he would be here on time, but he is on his way from Miami Airport to this party. And my school, let's get the party started. Thank you. Thank you.
Okay, everyone. I want to say this to you. We'd like you to get up and dance with us. Just rock your hips and listen. If you make a mistake, no problem. I make a lot of mistakes. And so what I do is, I tell you to do the same thing. I blame Francois, you blame your husband. You can blame whoever, you'll feel much better. But dance with us because it feels just rock them back and forth, we'll be good. I'll talk to you in a bit. And remember, we're dancing for our health, for fun. Okay. Enjoy. This is Mark from the Learning to dance well is like speaking a language fluently. Isn't it exciting? Now you can learn how to dance at your own home. Francois and Fong, dance DVDs are great and easy to learn from. I'm learning so much. In 2010, more than 19 million viewers were tuned in every week to watch Dancing with the Stars. When it comes to learning music, okay, by the DVDs, Francois and Fong, they are the best. Step-by-step process has never been easier, illustrated by Francois and Fong. And you can learn so much in a short period of time because you're working at your own pace. The secret ingredient of dancing by Francois and Fong that will make others ask you to dance. I've been learning a lot from the DVDs. Francois is a very good teacher. And dancing keeps me very happy. So let's get started. Call now, 954-394-3159. I'm telling you, I save time. You know, I don't have to go anywhere. I just stay on my privacy and learn, okay, the steps, they are the best.
C'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui dans le salon de la Caïnou. Non pas moi, c'est Michel François Jacques. Aujourd'hui, comme nous m'avons dit nous déjà, nous avons un spécial guest avec nous qui est directement de Martinique avec nous. Donc c'est Arsène Apollon. Apollon, what brought you here into United States, all the way from Martinique? Listen, I go anywhere the music take. I have to say hello to Miami. To Miami. To Miami, and... Especially la communauté haïtienne de Miami. And love. Forever. Yes. Forever. I have to change the gear from United States to go back to the island of Boyo Kiskeya with you. Because the first time we met, we talked about compact as the music and dance art form originated of Haiti. Mm-hmm. And we talk about Nemo Jean-Baptiste, the one of the inventor or creator. I have a problem with the spelling of the word compa. Mm-hmm. Because when I grew up, I used to know the music we call art form, we call compa, the spelling was C, O-M-P-A-S. Yes. And I remember, of course, we've been using the French term for a century. And now I feel you taught me something about the spelling, this K-O-M-P-A. Yes. Which is, I think that's the logic behind it. It's a translation from French to Creole or Afro. Creole. Non-Afro. Creole. We are Creole. But like me, I am a Caribbean. Well, you know what happened? Yes. For those of you who are listening to us here, because it's a dialogue, and deux amis haïtiens, et puis moi-même, mon caractère, c'est connaissance que m'a fait avec M. Apollon. Parce que j'étais très petit, j'étais pas d'admirer le cap jouer musique dans Pétionville. Où est Yamgamoun? Et Kounia là. Soudain tout petit, où est Yamgamoun? Ouais, bon, ma parole, j'étais petit. Non, j'étais même là, parce que je n'étais pas dans la musique. Non, j'étais petit tout. Ou t'es petit? Ah ouais, moi c'est petit. Oui, ou t'es petit, laisse à moi. Moi j'ai joué au football moi-même. Oui. Pendant que moi j'ai joué musique. J'ai joué musique, ouais. C'est ça, c'est bon, c'est des joueurs. Kounia, nous, pourquoi nous? Continue. Ça veut dire ça que moi je dis, il y a un peu de monde qui a regardé nous là qui va douter de ça qu'on parle là. Mais si nous doutons de ça qu'on parle là, c'est peut-être parce que nous pas passé dans la même école, surtout. Et puis, quand nous avons un petit problème de connaissance, tout, d'information, ben, en même temps, tout, si ça que nous parlons là, nous avons une petite erreur. Parce que c'est l'histoire, nous allons parler de l'histoire, nous allons parler de. Un peu de tout, et nous pas contre trop de bagailles. Mais nous là pour échanger d'idées parmi les professionnels, et puis en même temps, pour nous capables de joindre la vraie identité nationale. Non. Parce que nous avons pris tout ça qui est dans le cerveau, génie, ça. Ah, c'est... ou pas capable dans 45 minutes? Non. Ou pas capable dans 1h40? Non, pas donc, on va commencer à parler. Alors, François, ce soir, dis-moi, sur ce, varie le discours. C'est ça. Ou posez-moi 4 questions pour poser une question. Ou commencez par me demander qu'on peut écrire C-O-M-B-A-S. Moi, nous modifions, nous écrire K-O-M-P-A. Et pourquoi? Eh bien, bon, c'est comme ça. On ne peut pas poser 20 questions. Je vais répondre ça. Pour que nous comprenions que Haïti, la langue officielle, d'Haïti, depuis l'indépendance d'Haïti, c'est le français. Je dirais même, c'est l'héritage culturel. Ok? Alors, le compas a pris naissance dans les années 50, etc. Et puis bon, avec une influence cubaine, parce qu'il y a la latino, parce que Haïti, 15 minutes de Cuba, et il y a une frontière entre Haïti et la République dominicaine. Excellent. Donc, dans le compas, il y a une colonisation, au moins une descendance de tous ces rythmes-là. Donc, c'est pourquoi on écrivait
Je me corrige. Le cours passé au MPAS. Mais je ne me rappelle plus le nom du ministre de l'année 80 qui a officialisé la langue créole. Le ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Yeah. Ouais. Donc, c'est ce qui nous a permis de modifier le compas qui est original, qui est l'identité, qui est l'histoire, qui est, je peux dire, qui est la poussière d'Haïti. On a décidé de lui donner sa valeur. On a fait l'équation des valeurs naturelles, l'équation des valeurs réelles. C'est ça. On a décidé d'écrire le compas, que nous dit compas. On parle d'une musique créole, K-O-N-P-A. Period. Period. Donc, c'est dans le but de valoriser le rythme aussi, tu vois, pour qu'il n'y ait aucune confusion de part et d'autre. C'est ça. Quand on voit le C, on sait c'est la langue française, mais quand on voit le K, on dit, mais ça, c'est Haïti, chérie. Haïti, chérie. Comment la nom? Ça, c'est ça. Oh, donc, oui. L'intégration de la langue, de langue créole, là, qu'il y a qui vient, qui va faire partie de l'éducation du peuple, là, vient qu'il y a là, une langue qui mais va être parlée. Moi, je dis où que l'officialiser. L'officialiser. Parce que, moi, quand j'étais à l'école adolescent, on parlait le créole à la maison, mais pas à l'école. À l'école. Et on n'écrivait pas le créole. Et on ne lisait pas le créole. Maintenant, il y a le journal, des revues, des magazines en créole. Et d'autant plus, on peut apprendre le créole à l'université. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'actuellement, Haïti a une possibilité pour devenir une grande nation. Quand il y a là, tombé de chaud et compact, on a parlé longtemps, nous avons parlé de Club 15, nous parlé de plusieurs sacs qui nous ont fait dans le développement dans l'intégration, échange culturel que nous avons commencé à faire en 1900, qui a commencé en 1986 et qui continuait de Club 15 à Kounyala à former musique là, oui, compatriote là, qui est censé connaître et éparpiller dans le monde entier Kounyala. Que moi t'ai tout du tout dans l'autre travail que vous faites parce que moi t'ai pensé que les nous avons une petite façon pour nous danser n'a pas mis nous et puis dès du travail par maintenant il finit moi fait une sorte d'initiative à un système d'enseignement de la danse. Comment ou senti ou l'on rentrer dans la maison du compas et puis pour l'on rentrer là, et puis où t'es salé public là, etc. Que l'on rentrer parler. Là où t'es chita, on parle, on regarde à nous, activité ça, que nous voulons commencer pour le monde entier. Alors moi-même, moi, je dis que le premier bagage, c'est démarche. C'est ça. Donc démarche, c'est ça que nous aimons là. Que nous voyageons, nous voulons regarder des choses. Parce que nous gagnons un artiste, est là pour servir, il n'est pas là pour se servir. C'est important. Right? Donc, ça fait à peu près 15 ans que je connais pas plus de parler français. C'est des gens d'ado Haïti, le compas, c'est un génie sans cerveau. Faut, c'est ça. Vous comprenez? Oui. Par exemple, si vous prenez Ibo, Gondas Ibo, Haïti, je Ibo. Ou prenez Congo, Gonjan, je dans ce Congo. Ou prenez Yavalou, Gonjan, je dans ce Yavalou. C'est ça. Ou prenez Raboda et tout, Gonjan, ou prenez Rato, Gonjan, que vous dans ce. Mais cependant, le point de mettre sur l'échiquier international, yo mando tout bagay sa yo. Oui. Ou fait pour que costume, habilleur, tailleur, ou bon zame sou la, pour yon compagnie, ou bon,
accepté. Donc, nous avons des problèmes. Jusqu'à présent, nous avons souffert tout. Puisque je remercie encore à qui veut l'entendre, à haute intelligence, François, Jacques Michel. Je vais les trois noms. François, et puis, ou pape tout. C'est François. Oh, pape François. Pape François. C'est n'est pas, c'est n'est pas. Oui. Ah, c'est n'est pas. Oui, 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 c'est n'est pas. Oui. Donc, on est bien, ouais. Au moins, on est bien, ouais. Je me demande ça. Au fait, bien content. Parce que tout le monde qui attend de nous là avec toi, les musiciens, qui ceci, ceux-là, ce il y en a un autre. Bah, c'est là, ça, il n'y a pas de gens qui travaillent sur le domaine ça. Et le domaine ça est important. Il faut qu'il y ait des musiciens, mais il faut qu'il y ait des danseurs. C'est ça. Merci. Et puis samedi soir, moi-même, le barrette là, moi bien content, moi étranger. C'est ça que j'ai besoin. À où on est tout crossover. Bon, pendant ce temps-là, je vais prendre un petit break pour mal faire un petit relax. Nous allons regarder deux, trois petits pas de danseurs parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre ça, qu'on parle. Pour ne pas faire confusion entre l'autre forme d'ancien, que moi c'était très fier que. Ça c'est un rapport. Ou sont des professionnels. Non, mais c'est la première fois que je rencontre un musicien ou un musicologue qui apprécie le travail de l'autre artiste. Non, mais il faut dire, un musicien qui demande ça tout. Et non, qui un bon travail que moi fais pour un artiste, musicien, un collègue, un capable dans le métier industriel, et puis qui vient faire, qui satisfait le travail qu'il fait. Et mais moi, je suis capable de dans ce lamp, c'est le miroir du son, c'est l'art visuel du son. Donc, si tu es gratiné dans ce travail-là, ou pas pour apprécier. Mais donc, c'est un plaisir qui fait tout. Nous allons garder deux, trois types. François, hein? Moi, je vais garder par eux, même mon dernier parole pour nous sortir. C'est ça. Tenez bien ça. Moi, Saint-Apollon, nous sommes batteurs depuis petit. Ok? Nous allons faire mon danser, même pas qu'on danser. Donc, c'est moi qui vais faire danser. Oui. Nous allons garder ça, sortir à tout, parce que les mêmes, ça me dit tellement ému que nous n'avons pas tout petit des détails. Oui. Nous avons bien compris tout le monde qui a gardé tout. Gardé pour moi, si vous avez des potages, relevez ça. Yes. Génie de la musique qui est avec moi là. Quand il y a là, j'ai besoin de parler de musique là. Il y a une musique qui est introduction, ça me fait écouter le cap danser dans le programme.
Et puis, comment la musique ça a été créée? Non, quoi, il faut un débriefing. Débriefing. Ok, mais pendant ce temps, il faut un compliment pour me faire. Ça me dit, le mauvais bot là, je me donne un bon son. Même si je suis frère, même il a rehaussé l'éclat de la fête. Parce que c'est le son, parce que j'ai enregistré la musique. Mais il y a des petits détails que je n'ai jamais écoutés. C'est un bon son, et puis je me donne un son, ou de remixer. Ou de remixer. Mes félicitations, et désormais, jusqu'à dorénavant, et bien besoin de son, m'abrez les bêtes. Merci. Ok. Alors, ce n'est qu'il timide en pile, DJ Bertin, ça. Ouais. Ok. Bon, on nous continue sur la musique là. Ok, musique ça, c'est l'ouverture, je crois, qui va attendre là. Alors, parlez-moi des arrangements, comment t'es inspiré pour te créer musique ça? Ok. Musique ça, sur musique, après l'ouverture, se cachant un number one avec tous les généraux, moi décidé, moi parce que pour moi, les haïtiens, pour les gens, pour moi, depuis petit, je manque de musique, moi rêvé un bento. Mais le rêve, moi, je mon côté, je vais aller. C'est ça. C'est pourquoi je parle de Kosovo, je parle de Masaya de la Frontera. Je veux faire musique, je veux faire un voyage pour me démener au sommet international. Mais dès que je fais ce cachet de l'homme, ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas pensé comme ça, ils ont été. Alors chaque premier vidéo, je vais appeler ma petite personne. Moi-même, je veux ce cachet, c'est un bagage. Alors pour rien, je veux un bon vivre et sommeil. Qui lui vient dans Open Band, qui lui vient dans Beatles, yes. Qui quatre, ou quatre. Les groupes en général ne sont pas faits pour durer. Vous comprenez? Oui. Michael Jackson, c'est cinq frères. Parce que automatiquement, que succès a tellement son. Bon, le succès a son Covid même, son Corona. Son autre Covid, son autre virus. Son Corona même. C'est-à-dire que chaque monde web fayo, chaque monde a fait ça, ça ne fait pas bon, ça m'a fait plus bon, mais je vais dire bon, en fait, rupture générale. Il y a une bague de cohésion encore. Et il y a dangereux pour le groupe là, lui-même. Parce que musique, quand on au moment d'un moment, souffre. Bagage, animosité, ça. C'est l'argent. Quand quelqu'un qui va me si par exemple tu vas tourner promotionnel, quelqu'un vient là, c'est la passion. Ouais, on vient là, tu sais, je crois. Bon, parce que une bonne vision. Ouais, mais soit moi des 8 mois, moi 6 mois, 4 mois, pour moi c'est comme ça. Je vais l'appeler. On va venir appeler mon gars. Donc, tu me fais que. Retour à devenir inévitable. Donc, quand on a décidé de se cacher à proche, je suis entré en Haïti. Mais pour me présenter le groupe là, qui se cache à proche, je suis formé. Je suis prêt à dépendre de l'Ola pour dériver avec le message que je suis entré en Haïti. Je choisis parmi les titres phares, parmi les citations, etc. Nous faisons des ça. Qui était dans la librairie. Qui était dans le patrimoine compact. National. Même les comité de Fasca Charlotte, il y a joué Guadeloupe, il y a demandé aux Bédouins. Patrick Paul, Jim ça, Patrick Paul, son guitariste, yeah. Et Guadeloupe, c'est un peu les choix. Non, mais non, il fait une organisation de tournée avec deux bons musiciens là-haut. C'est ça. L'un est arrivé pour jouer, je dis, monsieur, il faut jouer ça. Mais de ça, parce que c'est lui que le peuple la connaît. Et par un musicien aux Antilles françaises, un groupe, quel qu'on en soit, côté qu'on compare à Paris, à Londres,
en Italie qui va jouer medley pour vous. Ok. Bon, de retour. De retour. L'autre ça qui m'a aimé qu'on est tout dans le track là, c'est ça qui m'a présenté le congrès mondial là. Et l'année dernière, dans le 5e congrès de recherche en danse et musique là, qui nous fait sur. On a parlé de healing, de spiritualité. Il y a une musique Obama qui nous tcha-tcha, arrangement seulement. Il est tellement pur, cette musique-là, que des chorégraphies que nous avons présenté au grand public, qui est sorti, qui ont été présentées l'année dernière dans le Congrès mondial. Et son musique qui est dans le fond de Obama, ils ont parlé de musique tcha-tcha. Bon, alors tout ce que j'ose dire, en fait, de ce moment-là, un dimanche matin, je regardais la télévision et puis on a introduit dans le programme Barack Obama qui était sénateur du Nord, comme ça. C'est ça. Mais avec toute sa tendance d'être candidat à la présidence. Mais moi, en tant que progressiste, il dit ah bon, voici un homme auquel il se rapporte. Bon, la musique d'Obama, je l'ai écrite en guise de ma contribution. Parce que la musique est sortie au mois de mai, avant les élections. Et il a brigué les urnes en novembre. En novembre. Ouais. Et jusqu'à présent, la musique va même à la portée, elle va même publier aux États-Unis pendant que Obama n'est pas président encore. On travaille pour faire plus avant même qu'il devienne président. Et puis, on va promouvoir la démocratie dans le monde pour voter un génie. J'ai appuyé et lui, sans Obama. Moi, t'as pas dit que. Travail qu'on fait, Obama s'est posé là pour ta ça c'est que on s'est posé on est pour Obama te mettre sénateur. Ah non mais ma politique à moi c'est de ne pas faire la politique. C'est de ne pas faire. T'as vu on fait politique artistique, on va faire politique qui est dans la maison blanche là. Parce qu'il y a deux formes de politique, l'une qui est dans la maison blanche là qui contrôle les produits matériels. Avec produit et avec politique artistique là qu'on fait avec toute big qui dans la musique là et puis qui contrôler qui pour rentrer qui pour le droit d'auteur à la musique ça. Mais peut-être nous capables de chance tout pour présenter Obama et travailler ça à au même t'as souhaité ça et ça t'est arrivé. Moi-même je suis une musique. Moi-même, j'ai un Skacha Plus. Parce que malgré que c'est moins bas Skacha depuis 1974, même si je fais une différence, pour me différencier, moi j'ai un Skacha Plus. Donc, ce groupe qui est là, qui existait à la demande. Alors, dans la carrière, moi qu'on y a là, qui a plus de 40 ans, on va pas dire qu'on est bon jazz. Parce que là, mon groupe, c'est lors des jeunes situations dans 21 ans, au Dougongo. Mais cependant, on m'a mis assuré de me dire que c'est côté où c'est mon vrai pour bonne musique, ma bonne musique. Ma formation correcte avec des musiciens professionnels, chevronnés. Tout ça, ou dans les toutes musicales. Par exemple, on a Obama. Son chanteur parle qui chante. J'aime bien le faire en espagnol. C'est le nom. C'est ça qui parlait en Amérique. Ça crée un peu de confusion pour tout le monde. Il ne veut pas parler l'anglais. Mais il y a plus de espagnol qui parlait. Moi, tu sais, je vais payer les Américains, ici à l'île de Florida. Ouais. C'est espagnol et l'Amérique du Sud, la net, c'est espagnol et Obama parle d'un bagage, au moins, elle cambio. Yes, we can change. Ouais.
El Cambio. Cambio. Donc, nous avons apprécié ça tout. Donc, nous-mêmes, nous allons faire musique en espagnol tout pour nous tomber dans la même philosophie, monsieur. Dans la même ligne politique, l'icône pour ça que fait le dédié pour ça. Et tout le monde entier, te comprend comment monsieur t'es venu aller. Moi-même, moi, j'ai une musique, au moins, je n'ai pas de musique pour l'argent tout. Là, je vais faire jouer musique. Moi, je joue musique, mais et puis musique, on va manger. Et puis, je suis toujours tout avec Fanatique Martinique. Je suis content de venir visiter tout. Mais je ne vais pas pour une visite docteur. Je suis venu pour au moins 2 semaines parce que tellement de choses qui m'intéressaient pour me prendre mes mains. Je suis toujours tout, je viens visiter. Avec plaisir, avec plaisir. Yes. Il n'y a pas de problème. Hein? C'est sans compter. Ok? Sans compter. Oui. Je prendrai toujours une pause pour la cause. Eh bien, bonsoir. Toujours l'éducation par la danse. NNBC TV avec Arsène Apollon, right here in the United States of America. Our little house of compa. Et voilà, c'est ça que nous avons pour nous aujourd'hui. Hein? Nous allons retourner encore à la semaine prochaine pour une autre émission, toujours sur culture, éducation et histoire. Merci beaucoup et à bientôt.